Alors avant de commencer, petit dédicace à Yazu, 1, 2, 3, 4, gaming. Et donc du coup, petite dédicace. Et aussi petit dédicace à Gorgibart, 21, et donc du coup, petite dédicace. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque du jour qui est contre Amireza. Amireza, ah, c'est marrant ça. Enfin c'est sympathique. Petit sourire, petite bonne chance. Donc on va mettre pourquoi pas du prince, voilà, on est comme ça, on est des fous. Alors ce deck n'est pas à moi, ce deck est à Adama Dimension. Et à ce qui paraît c'est un deck troll. Donc je sais pas pour qui ce deck est un troll. Donc soit pour l'adverse, soit pour moi. Je ne sais pas du tout, j'en sais rien, j'ai aucune idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une petite boule de feu. Ah, c'est bon, je l'ai bien tiré. J'ai failli mal la tirer, n'empêche. Hein. Alors, petit sort de zap. On va mettre le petit prince ténébreux, tranquillou, qui devrait faire un minimum de taf. Mais on se fait quand même défoncer. C'est génial, j'adore, je kiffe. Regardez-moi ça. Ah là là, le... Je t'aime, je t'adore. Oh putain, gros bisous. Oh, j'ai dit un gros mot, je suis désolé. C'était l'émotion. Ah non, mais franchement, c'est un truc de fou, là. Je me suis fait exploser. On va peut-être mettre un petit géant, histoire de tanker. Hein, pourquoi pas, voilà. Ça devrait faire du taf, quand même, ouais. Après, de toute façon, on va se mettre un petit géant royal. Non, tu sais quoi, on va pas se mettre un géant royal. Ouais, ouais, attends, j'ai une petite idée, là. J'ai une petite idée. Je viens de parler de géant royal, ça fait plaisir. Si on se met un géant comme ça, et par-dessus le marché, comme on dit, un petit, des petites barbares d'élite, là. Il va mettre le sorcier, parce que c'est un fou, mais il va se faire défoncer, le sorcier. Oh non, il met le P.K. Oh, le P.K., il va se faire défoncer. Oh, le sorcier, s'il te plaît. Sorcier, tu te fais défoncer. Tu te fais défoncer et on fait un max de dégâts sur la tour. Et franchement, moi je dis, ils sont trop abusés, ces barbares d'élite. J'ai horreur de ces barbares d'élite, ils sont trop abusés. Mais regarde-moi ça, t'as vu? C'est impossible à défendre, ces barbares d'élite. Tu dois utiliser tellement d'élixirs pour les défendre. Il suffit que t'envoies un géant et un barbare d'élite, et deux barbares d'élite, et boum, c'est mort, quoi. T'imagines? C'est tombé, c'est impossible. Imagine, tu fais un barbare d'élite fois deux, mais là, tu pètes le game. J'ai même pas envie de tester, tellement que ça doit être horrible. Eh, n'empêche, hein. Je sais pas d'où tu dis un deck troll, hein. Si c'est pour moi le deck troll, franchement il passe bien ton deck. Hein. Moi je l'adore, je le kiffe. Hein. Bon par contre je l'utiliserai pas tous les jours parce que c'est un deck vraiment méchant, parce que... Oh attends, s'il te plaît. Voilà, c'est vraiment que des troupes de méchants ça. Ah oui, ça par contre ça fait mal ça. Ça fait très très mal ça par contre. Ça fait très mal. Bon bah je crois que c'est la fin de la game là. Hein. Ah c'est la fin de la game malheureusement. Qu'est-ce que je te dis? Il aime pas jouer aussi, c'est vraiment un loser. Hein. Non mais loser, moi je dis loser. Ah non mais pff, ah non, franchement avec lui c'est pas drôle hein. Ah mais moi j'étais là tranquillou et tout. Je me suis dit tiens on va bien s'éclater. Voilà la plat. Et c'est quoi, moi je vous dis je tape des mains, vous allez voir c'est magique. Regarde, écoutez bien. Je tape des mains, c'est magique, vous allez voir. Regarde. Chut, voilà. Écoute bien. Mais attends, là, je me suis loupé. Deux secondes. C'est pas magique si je fais pas bien. Attends, deux secondes hein. Oh mais t'as vu ça? C'est incroyable. Mais comment c'est possible? Oh, il y a une autre game. Je viens de taper des mains, il y a une game qui est apparue. C'est un truc de fou. Bon bah alors petit sourire, petite bonne chance hein, c'est génial ça, je kiffe. Alors on va mettre du géant royal parce qu'on est des fous, on va mettre une boule de feu. On va mettre la boule de feu ou pas hein? Ah j'hésite entre le... Bah tu sais quoi, on va mettre les deux, parce qu'on est gourmands nous tu vois. Hop là, ça et la boule de feu, allez c'est parti, on est comme ça nous. Et boum. Oh, il manquerait plus que les barbares d'élite là et on casserait le game total. Bon malheureusement on peut pas mettre les barbares d'élite, on va peut-être mettre les barbares histoire de défoncer un petit peu le mortier là. Ok. On est dans le game ou pas? Comment ça se fait qu'il y en a un qui est mort? Ah non, j'ai cru qu'il y avait un barbare qui était mort, mais pas du tout. Putain, du coup, ils ont rejoint eux et tout, là. Au moins, le mortier n'a rien fait. Ça, c'est déjà bien. C'est un point positif. Il faut le noter, quand même. Ok, tu fais du taf? Max de taf? Oh, mais comment tu te fais trop défoncer? Vas-y, tape. Bim. Ok, nickel. Bon, bah, c'est déjà plutôt pas mal. Ah ouais, toi tu remets ça sur le tapis. Bon bah tu sais quoi, j'ai encore mieux pour toi. Barbare d'élite, tu vas faire quoi maintenant? Ah, t'as le démon là, hein, tu vas faire quoi maintenant? Eh oui, ça fait pas le poids mon pauvre. Ça c'est bon ça. On va mettre un prince ténébreux juste là, comme ça, histoire de faire quelque chose quoi, je sais pas quoi faire, donc on va faire ça. Ok, c'est bon, ok. Quoi? Ça a rien fait tout? Truc de fou. Bon, c'est plutôt compliqué là, hein. C'est vrai que... pas se le cacher, on va tenter quand même de faire du bon taf avec du géant royal. Et oula, toi par contre tu vas morfler mon petit. Hop là, genre ça a touché tout quoi, mais je m'en fous, de toute façon il morfle quand même parce que je suis un fou, je suis comme ça.
Ok, ça passe. On va mettre du géant de l'autre côté parce qu'on est comme ça. T'as le deigle, hein, t'as le démon, hein. T'as le seum, là. C'est bon, ça, comme t'as le seum. Attends, je crois que la boule de feu, je l'ai mal mis. Je crois que ça passe. C'est bon, ça passe au dernier moment, ça passe. C'est génial, c'est le kiff total. On va faire ça quand même. Ah, c'est bon, ça passe. Oh, t'as le seum. T'as le seum. Ah, ça, c'est bon, ça. Et je kiffe quand ça se passe bien comme ça. Je te dis, ce deck, c'est de la balle. C'est de la balle, ce deck. Oh là là, je sais pas pour qui c'est le troll. Moi, je dis, c'est pour celui en face. Hein. Ça, c'est un gros troll pour celui qui est en face. Il doit avoir le démon. Alors, bim, ok, nickel. Oh là, regardez-moi ça. Pff, oh là 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 là. Mais les barbares d'élite, mais laisse tomber, mais c'est un truc de malade mental. Donc on va remettre ça, parce que monsieur apparemment a décidé de vraiment nous casser les 1. Oh, il a remis un... Oh, c'est fort ça. Attends, on va juste faire ça. Hop, nickel, voilà. Quoi, ça a même pas tout tué? Oula, c'était le mien au moins de Source Zap que j'ai mis là? Est-ce que c'était le mien? Ça se trouve, ça appartenait à quelqu'un d'autre. Là, il est en train de me faire mal par contre là. Ça, c'est pas cool ça. On va quand même tenter de faire un max de dégâts à gauche. On va prendre ça, la boule de feu, s'il te plaît. Boule de feu, ok, nickel. Boule de feu qui devrait passer de ouf. Bim, la boule de feu, bim, bim, bim. On tape tout ça, tac, tac. Voilà, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Allez, tue-moi les archers qui résistent de ouf. Comment c'est possible? Oh là là, le mec arrive à défendre contre des barbares. Et comment il fait? Moi, j'arrive pas. C'est un truc de fou, j'y arrive pas. On va mettre ça. Ok, nickel. On va se mettre du prince. Et du prince ténébreux. Voilà, je sais pas, je suis un fou, je suis comme ça. Moi, j'adore, je kiffe. Non, mais je sais pas, je vais tester. Oh là là, comment t'as trop le seum! Comment t'as trop le seum! Non, comment je t'ai défoncé de ouf là. Ça, c'est bon, ça, j'adore, je kiffe. Super combat, effectivement, t'as raison, j'adore, je kiffe le combat. Je kiffe à mort le combat. Franchement, il est trop kiffant. Et regardez-moi ça là, les petits barbares d'élite qui vont tout défoncer, c'est moi qui vous le dis. C'est pas ça qui va les arrêter. Ah, quoique. Mais tu vois, mais comment il fait pour défendre? J'arrive pas. Ouais aussi, faut... ouais non, ils sont niveau 8 quand même. Et franchement, bien joué. Je sais pas comment tu fais pour arriver à défendre les barbares d'élite. C'est génial, quoi. Et n'empêche, au dernier moment, t'as vu comment je l'ai défoncé et tout avec le prince, le prince là, tout simple et tout là. Ah, génial. Je te dis, ce deck, il est génial. C'est génial, ce deck. Direct, j'ai vu le deck. J'ai fait, toi, mon gars, ce deck, il va tout défoncer. Toi, comme deck, tu vas tout défoncer. Ah, ça, c'est bon, ça. Ah, c'est... Ah, truc de fou. Bon, par contre, tu l'utilises une fois pour délirer, mais après, t'évites de trop utiliser parce que ça, c'est un truc d'enfoiré, quoi. Ça, c'est vrai que c'est pas trop sympathique, hein. Le géant royal, le... Bon, le géant, à la limite, ça va, mais le géant royal, les barbares d'élite ensemble, avec un petit géant à côté en plus, des fois, ah, ça peut faire mal. Bon, en attendant, du coup, je vais bosser sur ce, voilà, donc c'est fait deux petites attaques du jour, du coup. Je vais bosser sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis à ciao, et puis n'oubliez pas, ouais, c'était cool.